Salut la compagnie, bienvenue sur la chaîne AI System. Aujourd'hui, on va parler EDC et plus particulièrement l'EDC fond de poche. Alors, qu'est-ce que je prends sur moi à tout instant? Et bien, cela va dépendre de la situation, du moment et de l'endroit où je me déplace. Mais en temps normal, j'ai le strict minimum et je vais vous détailler cela en vidéo. Donc, mon premier item se compose d'un Sharpie enroulé de duct tape qui permet une meilleure prise et des réparations lorsque j'en ai besoin. Mon deuxième item est un simple briquet BIC entouré de duct tape, rien à dire de plus, c'est simple, c'est efficace. Pour mon troisième item, j'ai choisi une lampe de la marque Nikkor, donc c'est la lampe Tiki. Elle est efficace, elle est simple, elle pèse seulement 12 grammes, elle comporte 3 niveaux de lumière, à savoir faible, moyen et fort. Elle a une puissance de 300 lumens, ça peut éclairer jusqu'à une distance d'environ 71 mètres. C'est une lampe hyper efficace. Elle comporte également d'autres modes, notamment le mode veilleuse qui permet d'éclairer une zone en posant la lampe, et un mode UV qui permet de déceler les faux documents, les faux papiers. Ça a le mérite d'exister. Voilà. Alors avant cette lampe, je possédais la Photon comme beaucoup, mais je trouvais qu'elle manquait un peu de puissance et en comparaison, la Photon elle pèse une vingtaine de grammes. Donc pour le même poids, j'ai opté pour une lampe plus puissante et plus pratique. Alors pour mon coupon, je suis resté très simple, je suis parti sur un Huttman de la marque Victorinox car en fait, dans le tranchant, je n'ai pas besoin de grand-chose, ça me suffit largement. Avant, j'étais sur un Laserman, mais en comparaison, le Laserman était vraiment très lourd. Il pèse pas loin de 340 grammes, alors que le Huttman, lui, il est en dessous des 100 grammes. Que chez moi, en termes de lame, c'est la seule lame que je possède tout le temps sur moi. Pour une raison très simple, si vous êtes menacé par une lame et que vous possédez un folder ou un pliant, vous aurez très peu de chances de pouvoir dégainer votre couteau avant de vous faire découper. Pour ça, je vous invite à voir la vidéo de texture sur le sujet, vous verrez, c'est très compliqué. Donc en dehors du travail ou d'une ville un peu plus dangereuse, je ne porte pas d'autres lames que ce Victorinox. Après, si on me parlait de létalité avec un couteau suisse, on peut atteindre des niveaux de létalité très importantes. Lorsque vous frappez, slashez avec un couteau suisse, vous entendez des coupures très profondes. C'est pour la raison pour laquelle, en fait, chez moi, je n'ai pas besoin d'autre couteau que celui-ci. Voilà. Et pour mon dernier item, un incontournable, tout le monde l'a, le téléphone portable. Alors, un téléphone tout simple, muni d'une coque de bonne facture et d'un écran protecteur pour pouvoir garder l'appareil en toute sécurité malgré les chutes qu'il puisse subir. Alors, à un moment, j'avais essayé un téléphone dit incassable. Malheureusement, j'ai pas vu qu'il était incassable. Première chute, il s'est brisé comme un rien. Donc maintenant, je suis revenu à des modèles plus sûrs et dont je suis sûr que ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc ça c'était ma configuration minimaliste. Maintenant, si je quitte mon domicile, que je m'écarte de mon pâté de maison, je vais upgrader ma configuration. Et pour cela, en premier lieu, ce que je rajoute, c'est le garrot. Alors, pour le garrot, je me suis muni d'un garrot Siche, qui est à mon sens plus compact que le garrot 4, et je l'ai muni également d'un porte-garrot de chez Norman Résilience, comme ça je peux l'accrocher autour de ma ceinture, ce qui me permet d'avoir un accès assez rapide. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai également opté pour le garrot Siche, c'est que le garrot Siche permet d'être retiré indifféremment dans le sens que l'on met, alors que le 4, si on ne fait pas attention et qu'on le positionne par exemple dans le porte-garrot de chez Norman Résilience, il va rester bloqué. D'une main, ça va être, la sortie va être aisée, et par contre, de l'autre main, la sortie sera totalement impossible. Et à mon sens, un garrot doit pouvoir être sorti indifféremment dans le sens duquel on le positionne.
Et des deux mains. L'incontournable, hein, donc dans mon pantalon, dans la poche droite, je positionne également un pansement compressif de T-Bone, mini T-Bone, que je trouve excellent. Donc la pose de ce pansement compressif, hein, se fait hyper rapidement, hein, avec un peu d'entraînement, on le pose en une quinzaine de secondes, ce qui rend la mise en place extrêmement rapide. Parce que si on prend exemple sur le pansement israélien classique, il est un peu plus laborieux à poser, hein, il est un peu plus compliqué, donc on a un peu plus d'entraînement pour pouvoir le mettre en place. Mais je trouve beaucoup plus polyvalent. C'est pour cette raison que dans ma trousse IFAK, hein, qui est dans ma trousse, j'emporte également un pansement israélien T3, justement pour sa polyvalence. Alors, une des raisons pour lesquelles je ne dispose pas non plus de couteau de lame droite supplémentaire que mon couteau suisse, en fait, c'est parce que je dispose d'un port d'armes et que pour l'occasion, en fait, j'emporte avec moi une arme à feu dès lors que je quitte mon domicile au-delà du pâté de maison. Hein, si je dois me rendre dans une grande ville ou dans une ville un peu craignos, je prends automatiquement mon arme à feu. Voilà. Hein. Donc je précise bien, hein, que j'ai un port d'armes. En aucun cas je me permettrai d'emporter avec moi une arme sous simple détention. Donc une fois tout cela acquis, hein, dans mon téléphone, je dispose des fichiers où je détiens mes papiers d'identité, mais cela ne correspond qu'à un début de preuve de son identité. Alors dès lors que je m'éloigne de mon domicile, j'emporte avec moi mon portefeuille où dedans je détiens de la liquidité, environ une centaine d'euros, et tous mes papiers pour justifier de mon contrôle, de mon identité et de mon port d'armes. Voilà, je vous ai présenté mon EDC fond de poche. En plus de cela, hein, dès que je m'éloigne un peu de la maison, j'emporte avec moi un sac EDC. Je vous ferai la présentation sur une prochaine vidéo. Allez, ciao, portez-vous bien.